Imam Mohamed Abdallah Ibn Abbas Sall, président de l'ASCAI, l'association de soutien et de coordination des activités islamiques. Alors, Taïdi, il y a un Taïdi. Taïdi, Tabarakallahu, nous avons une réunion au bureau exécutif. Taïdi, nous avons un mot de fin bourdou, qui m'a sallallahu alayhi wa sallam. Taïdi, nous avons une réunion au bureau. Mu jël ay tombu yu bare yo xamni lu ci nek de nga waxtane ci tombu ba ci jekk moy ndokal yi nga xamni tabarakallahu ñu ngi magal de nga bis yu sel yu tej yi ñaaral ba ñi massaw xalé yi nga xamni fani metti nar la metti senegal yeb la xalé yu ndaw majeur ñu sax di wuti lu ñu am dugg ci geej gi ñu bari ñak ci seen bakkan ñu ngi massaw seen famille di len waxit nañu muñ ta dal te xamni senegal ñakul liggey nañu baña xeb rek te gor gorlu te seen parents yi nañu len conseiller ñaarel ba gouvernement senegal amna ci part de responsabilité bu maga 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 mak ndax bo amé sa ay dom yaawal len wara encadrer ba buñu bëgge dugg ci musiba nga taxaw ci seen wet ñaaral ba ñu ngi ñaan gouvernement Sénégal ñu gën taxaw ci jappalé xalé yi dimbalé leen de nga ba ñu am luñu japp ba duñu xalaat di wali yeneen pays benen tombe bi xamni waxtaané nañ ko itam moy li nga xamé ni mo lëmbé Sénégal lëmbé aduna loolu moy lan moy borom ñaari tour yi xam nga borom ñaari tour yi loolu lu ñaaw lu bon lu salté la lu mëna yaq aduna la goor ak goor bëgg di sey koku rew mu ko meuna autoriser itam yaangi na autoriser lo xamni de nga yefu bayima la te senegal nak xam nga rew bu ñaké na xalé dafa yomb kon parents yi nañu yé sen dom yi xam leen ni goor dafa am jigen am bo demé europe sax dañu dem ba am jigen yo xamni ñinga nan dañuy jité ñingay nek ci lepp lo xamni du yaq l'islam la and ak ñinga xamé ni ñu leen wax ay formation wa yoy yëm nak may dalal musulman yi li yeb day yok rek diine xex diine day yok diine bañ diine day defar diine waye tam li ñuy mujjé nak nga xamni moy li nga xamé ni mo metti xolu musulman yi ci aduna yeb kep ko xamni julit nga am nga tay metti metti bu yaatu metti bi moy lan xam nga feko non ordinaire ben way bu tax ci mbedd mi rek mo wax duñu metti waye wajo xamni lu toll na France France li duñu jaxal ci France nak ndax ñom ay colonisateur lañu ñoo coloniser won Afrique ray suñu ay mam ray suñu ay mam yu dul jeex ñom Cheikh Omar Fouta Tall ñu sonal len ñom Cheikh Ahmed Bamba ak ñeneen ñu dul jeex taxaw fi ci Thiaroy ray suñu ay jambar kon France ñun dañuy masla way duñ nga fatte waye nak Macron dafa jaawale ndax amul experience xam nga France souvent ay maga ka dan jité waye mo bu amul experience du wax yi mu wax ndax mo dafa accusé l'islam l'islam amul ben rapport ak terrorisme amul ben rapport ki ray nit wala mo def attentat ko yoru l'islam nekku ci buy accusé na accusé personne bobu waye accusé l'islam kon accusé nga aduna ndax l'islam actuellement ni ñoy religion majoritaire té yow Macron yow li nga def l'islam defo ko l'islam kessé mais def ko ko sa population la population France de nga ay millions yo xamni amna xeyna sax ñu voter nañ la ay français lañu togn nga leen ba paré yow yaangi encourager ñaawal yonent fekko fekke xam am nga diinem deet mais ñaawal yonent rek dafa ñaaw waye nga ñew nak di encourager ñi caricature de nga di yaq de nga image sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nak boko yaqé ñeneen ñi yëngatu mënu ñu leen dara waye nak li ñuy tejje moy suñu chef d'état nañu def solidarité ak population islamique nañu wax Macron ni ka togn nga population aduna bi lool lañuy demander suñu état ba paré ñu ngi demander itam musulman yi nek ci aduna bi waxuma sax musulman mais kep ko xamni bañ nga mbon bañ nga lo xamni togn la islam na dafa amul ñu digal islam digalul ken violence
violence islam daf ko condamner carrément waye nak islam neena de nga neena julit bi nak nga xex waxul nga xex ak fetal waye nga xex ak sa moyen ba meuna xex xexu economie nga xex ak mom kon kep ko xamni musulman nga nga fexé ba lepp lu france genné xola bul ko jënd musulman bu ne bu défé lolu ak kep ko xamni do musulman sax waye lu bax nga bëgg lolu day am solo ñaarel ba nañ ko xex socialement ñaarel ba nañ ko xex politiquement politiquement mo ni ko xex suñu ay ñun sénégal yu bari ñinga france am ay nationalité bu voté joté bu ñu voté macron lolu ci politiquement la bok mohamedou aline mbaye secrétaire général de l'ascai ok alors qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui voilà chers journalistes l'ascai par la voix de son président imam serigne abdallah sall ibn serigne abbas sall vous souhaite tout d'abord un bon maulout aussi à la sortie de notre réunion mensuelle l'ascai a pris une position sur les propos du président macron qui au fond ne font que raviver la flamme de la ferveur de l'amour que les musulmans portent au prophète Mohammed, paix sur lui. Nous exhortons la population sénégalaise à boycotter les produits français dans leur totalité, économique, sociale, culturelle. Nous demandons aussi au gouvernement d'être solidaire avec la Oumma musulmane. L'ASCAI condamne avec fermeté aussi ces actes infâmes, plus précisément l'homosexualité, ourdis par 25 de notre jeunesse, tous des garçons qui devraient être les porteurs de nos valeurs, tant religieuses que temporelles. Ils sont issus de la meilleure société, celle de l'islam soufi, et de l'un des pays les plus stables du point de vue paix et cohésion sociale. Nous encourageons la justice sénégalaise, par le biais de son ministère, de continuer le combat pour freiner et éradiquer ce comportement inqualifiable de notre jeunesse aveuglée par le mal qui n'est rien d'autre qu'un outil des ennemis de l'islam et un moyen d'une autre forme de colonisation par la ferveur du mal. Les propos de Macron. L'ASCAI présente ses condoléances aux familles éplorées par la perte de leurs enfants naufragés pour aller vers l'extérieur. Nous demandons à l'État du Sénégal ayant à sa tête le président Macky Sall de faire preuve de responsabilité, d'encadrer ces jeunes pour qu'il n'ait plus à l'esprit ni l'intention de quitter ce pays avec des moyens qui leur feront perdre leur vie. 100 et quelques jeunes de notre pays, porteurs de messages, des jeunes valides, ça c'est une grande perte pour la nation sénégalaise.